Moi, je suis arrivée en novembre 2019, donc le Covid est arrivé en mars. Donc ça n'a pas été simple, mais l'équipe a été ultra présente. Donc j'ai réussi à trouver mes marques malgré le fait qu'on soit chacun chez soi. Et malgré toutes ces contraintes, je trouve que chacun a fait en sorte que le projet essaye de perdurer malgré la distance. Même si ça a été difficile pour plein de raisons, je pense qu'on tirera du positif malgré tout de tout ça, quoi. En fait, je suis à SNL depuis au mois de septembre. Et par contre, avant, j'avais cherché des logements, j'étais dans les difficultés. Et quand je suis venu, malgré c'était difficile, c'était autant du confinement, aux périodes de Covid. Bon, après, tu vois, ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de contact à cause de la pandémie, mais ça s'est bien passé avec les locataires, ça se passe bien, tu vois. Franchement, SNL, franchement, ça nous a aidés, tu vois. Franchement, ça nous a bien aidés, ils nous ont bien assistés. Il y a une bonne suivi, en fait. Oui, on est bien accueillis malgré nos différences d'horizon, de peau. Mais c'est ça qui est excellent, c'est ça qui est marquant, en fait. Moi, c'est ça qui me marque, en fait. On ne regarde pas les différences des gens de couleur. Tout ça, c'est extraordinaire. Que ce soit les salariés de SNL, que les assistants sociaux, tu ne vois pas la différence. C'est ça qui me touche au plus profond du cœur, en fait. Et c'est ça, tout le temps. Chaque fois que je sors de la maison et je rentre de la maison, je pense à ça, en fait. Cette action, c'est tellement profond à moi que je n'arrive pas à le dire. C'est plus profond. Des gens qui font cette action-là, c'est extraordinaire. On ne peut pas savoir ça, en fait, le degré d'importance et la profondeur de ce que ça fait aux gens. Et moi, je suis tellement conscient de ça et je serai toujours reconnaissant envers SNL.